Yo les potes, Sensio, nouvelle vidéo pour débloquer toutes les récompenses espion intérieur. Donc je vais vraiment tout vous montrer. Faites pas attention à Maeve, parce que je viens de passer un niveau. Du coup, je vais tout vous montrer. C'est parti, je vais vous expliquer tous les défis. Du coup, c'est parti. Premièrement, vous avez planche de skate, espion intérieur. J'ai l'impression que c'est la même. Ok, la planche c'est peut-être la même. Bref, pour débloquer cette planche, les gars, vous devrez finir les trois défis de l'espion. En gros, vous finissez les trois défis espion et vous débloquez le skate. Donc, c'est quand vous avez fini tous les défis. Mais on s'en fout parce que c'est dans le pass de combat. Mix défaite. Pour débloquer, ça c'est la première récompense. Ça, les gars, c'est la deuxième récompense. Petit planeur. Et troisième récompense, petite cape, papier cadeau. Donc, voilà les trois récompenses. La musique, le planeur et le sac à dos. Et quand vous avez fini les trois récompenses, et ben vous débloquez le skate. Du coup, je sais plus quel défi correspond à quoi, mais dans tous les cas, vous ferez tous les défis. Premier défi, vous devez faire 3 kills en tant qu'imposteur. Donc, il y aura marqué sur votre écran que vous êtes imposteur, il y aura écrit en rouge. Et vous pourrez mettre des coups de pioche. Quand vous pouvez mettre des coups de pioche, c'est-à-dire vous êtes imposteur, vous devez faire 3 kills. Pas en une seule partie, vous inquiétez pas. Ensuite, deuxième défi, vous allez devoir faire 25 missions. Les missions, en gros, vous devrez déclencher des petits, des petits trucs carrés. Je vous montrerai juste après. Et la dernière mission, c'est de jouer 5 parties. Hop, on va tout récupérer, les missions, enfin les cadeaux. Et je vais vite fait vous montrer. Donc ici, vous avez tous les modes de jeu. Vous allez ici, espion intérieur. Hop, vous cliquez. D'ailleurs, les quêtes... ouais, les quêtes, elles y sont plus parce que je les ai déjà fait. Du coup, je vais vous les montrer. On lance vite fait le petit... la petite game. J'espère que ça va être rapide. Je vous réexplique vite fait les défis si vous n'avez pas compris. Premier défi, faire 3 kills en tant qu'imposteur. Deuxième défi, faire 25 quêtes. Et troisième défi, vous devez faire 5 parties. En gros, vous jouez 5 fois à ce mode. Donc les petites quêtes, les gars, ça va être comme ça. Regardez, vous voyez des petits carrés bleus. J'espère que vous voyez bien là, juste là. Vous devez en activer 25. Ensuite, ça, on s'en fout, les gars, ça sert à rien. Quand vous aurez écrit spy en rouge sur votre écran, ça veut dire que vous êtes imposteur, vous pouvez tuer les gens, vous devez en tuer 3. Et quand vous êtes agent, voilà, vous faites vos quêtes. Bref, j'espère que la game elle va se lancer assez vite. Allez, allez. C'est un peu long. Faut attendre encore 40 secondes. Et il y aura bientôt d'autres défis qui vont arriver aussi. En attendant, je vous montre un petit easter eggs. Si vous vous mettez ici, vous reculez un petit peu, vous sautez sur la barrière, vous sautez. Merde, j'ai raté. Sinon, vous allez là. Hop. Je vais vous montrer l'easter egg. Hop. Putain, j'arrive pas. Bon, pendant ce temps, on essaye de faire ça. Et comme ça, la mission va se lancer, les gars. Je vais vous montrer juste après. Ok. Oh, j'avais réussi. Ok, 10 secondes. Pour que ça lance. Ok, regardez. Vous vous mettez là. Et hop. Vous pouvez être tout en haut. Bon, ça sert à rien, mais voilà. Ok, ça va se lancer. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas, je réponds à tout le monde. C'est parti, la partie se lance. Quand la partie va se lancer, il y aura un écran comme ça avec une couleur. Donc c'est juste votre personnage. Donc moi, je suis le personnage vert, voilà. J'aurai une couleur verte. Et ensuite, ça va se lancer. Hop, et là, regardez. Regarde en bas de mon écran, regardez bien. You are a butler. Donc ça veut dire je suis gentil. Donc c'est écrit en bleu. Ici vous avez le bouton pour appuyer, mais c'est pas une mission. Là vous avez un sac d'or, mais ça sert à rien, pareil. Les missions, les gars, c'est comme ça, des petits carrés. Vous appuyez et vous devrez en activer 25. Pas en une seule game, vous inquiétez pas. Si vous mourrez, c'est pas grave. Hop, vous activez. Et si vous êtes un imposteur, vous pourrez mettre des coups de pioche. Là vous voyez, je peux pas mettre de coups de pioche. Et bah si je pourrais, hop, j'aurais pu le tuer. Bref, je vous remonte quelques autres quêtes. Regardez, ici il y en a une, voilà. Ici il y en a une aussi. Il y en a une par exemple là-bas, là-bas vous voyez. Ici aussi, bref, il y en a vraiment plein, vous en faites 25. Et quand la game se finit, soit vous mourrez. Est-ce qu'il y a un poster? Non, ah, je sais pas. Quand vous êtes mort, après ça vous compte, et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et pensez au code créateur NSQ dans la boutique Fortnite. Ciao.